Alors bonjour tout le monde, ici Danny Murray pour un autre petit cours de bourse. Aujourd'hui, nous allons regarder c'est quoi la différence entre trader les pink sheets et les marchés OTC comparativement aux marchés réguliers, par exemple la bourse de New York, le Nasdaq et les bourses comme ça. Donc, nous allons commencer à regarder ici une petite action. Je vais vous exposer les principaux points de différence entre les deux et qu'est-ce que ça changera notre vie. Je vous conseille fortement de rester jusqu'à la fin de la vidéo, puisqu'à la fin de la vidéo, vous allez voir vraiment la différence majeure et la seule différence non négligeable pour les marchés. Donc, restez là, je vous en parle un petit peu plus loin. Donc, première petite chose à regarder sur les marchés des OTC et des pink sheets, c'est quand il se passe rien et que l'action est morte, elle est morte. Donc, il n'y a rien à faire, c'est extrêmement long. Il n'y a pas de grosses pertes non plus, il n'y a rien qui se passe, évidemment. Donc, ça garde en mémoire, puisque si on regarde ici, chaque petite barre grise veut dire la fin d'une journée. Donc, plusieurs jours ici, là, je pense qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, en tout cas, 10, 12 jours, là. On voit là que ça bouge à toutes les 2, 3 jours, là. Regardez ici, là. 1, 2, 3 jours, 4 jours avant que ça descende d'un tick vers le bas. Donc, une action, quand c'est mort sur les pink sheets et les OTC. Donc, c'est pas toutes les actions qui sont à regarder. Des fois, il n'y a absolument rien à faire puisque les volumes, si on regarde ici, il y a les volumes, là, 100 000, 100 millions, mais à ces prix-là, là, c'est presque rien d'action, c'est rien en argent, c'est presque rien. Mais, par l'inverse de tout ça, quand l'action se met à bouger, elle se met à bouger et on a une extrême volatilité. Si on regarde ici, par exemple, on est à 0,0005 sous. Et regardez, quand ça se met à bouger, on a triplé là. Une barre qui est. Je sais pas, 2 petites secondes. En tout cas, une barre ici là. On monte assez vite. Et quand ça se met à bouger. Si on regarde, on est à 0,5 sous, on est monté à 10 fois le prix, même un petit peu plus. Donc, quand la volatilité est là, les volumes sont là et tout va bien, mais quand il se passe rien, il se passe absolument rien. Évidemment, on ne se fait pas prendre dans des fake out qu'on pourrait appeler des bâtons vides ou presque là, qui nous font débarquer nos stops et qu'on rembarque après, qu'on perd des sous, qu'on gagne et qu'on niaise là. Les bourses normales, eux, bougent beaucoup, mais les pink sheets et les OTC, eux, bougent peu à part quand on est dans une volatilité qui commence à avancer et à bouger assez vite. Ensuite de cela, quand il y a beaucoup de volatilité comme ici ou comme là, c'est un deuxième problème qu'il peut avoir avec les OTC. Ça peut être long d'être capable de vendre. On ne peut pas vendre nécessairement à la seconde où on veut. Évidemment, ça, c'est une activité là, plus ou moins normale là, dans une journée et tout ça. Là. Mais s'il y aurait un crash, par exemple, ou s'il y aurait une hausse extrême comme ça, dans une hausse extrême comme ça, probablement, vous ne serez pas capable d'acheter avant d'atteindre le point quasiment maximal, là. Puis là, vous mettez votre commande là, il vous la donne pas, vous la remontez, vous la remontez, vous la remontez, puis il n'y a rien à faire, vous n'êtes pas capable d'acheter. D'un sens, c'est très bien, puisque comme je vous enseigne dans les autres vidéos, faut acheter dans la stabilité. Juste avant, ou juste au début, ou juste après le premier bull flag, ou des choses comme ça. Donc après ça, ça monte. Et pour les ventes, ça peut être la même chose. Quand on est dans un crash de 10, 15, 20%, ça peut être très difficile de vendre. Puisque je vais vous donner un petit exemple. La dernière fois, ça m'est arrivé, j'avais plusieurs stocks, mais j'avais tout vendu bien en avance. Et le dernier stock qui me restait,
Quand j'ai pesé sur le bouton pour vendre, ça m'a pris littéralement 20 minutes avant d'être capable de vendre. Évidemment, eux, quand ils vont vous faire vendre, si mettons vous prenez le crash ici, vous allez commencer à mettre votre commande ici, 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 il va vous niaiser jusqu'à temps qu'il soit en bas, il va vous vendre ça dans le plus bas. Donc, ça peut arriver. C'est extrêmement rare, là. Je vous dirais une transaction sur 500 peut arriver comme ça. Mais ça peut arriver. Ce qui n'arrive pas nécessairement dans les marchés réguliers. Mais c'est un risque à prendre en considération. Et comme je vous dis, si dans la hausse, c'est peut-être mieux pour vous de ne pas être capable d'acheter puisque c'est pas bon d'acheter dans les gros spikes qui se passent à la bourse et tout ça. Et maintenant, nous allons regarder la différence majeure entre les marchés financiers réguliers et les pink sheets OTC. Cette différence-là va littéralement changer votre vie. Cette différence-là fait une différence entre les traders qui pensent juste à l'argent, qui ont juste ça dans la vie, qui travaillent là-dessus presque 24 heures sur 24. Si j'ai déjà travaillé au-dessus de 100 heures semaine, c'est pas la vie que je veux. Moi, je veux être tranquille et la différence entre les marchés financiers et les OTC, c'est l'horaire de travail. L'horaire de travail, il commence tout simplement de 9h30 à 4h. Ça finit là. That's it, that's all. Il n'y a pas de pré-marché. Il n'y a pas d'après-marché, de pre-market et after-hour qu'on appelle en anglais. Il n'y en a pas de ça sur les pink sheets et les OTC. Il n'y a aucune transaction qui se passe. Des fois, il y a des transactions qui se passent, mais c'est des Form T qu'on appelle. C'est des transactions qui doivent être déclarées avant la fin de la journée. Donc, qui se sont passées pendant la journée, mais le market maker n'a pas eu le temps de mettre sa commande sur le tableau. Donc, il va le poster peut-être à 4h, 4h10, mais ça va finir à peu près là. Et de toute façon, on ne peut rien y faire. C'est des transactions qui se sont passées pendant la journée, donc il n'y a aucun stress. Donc, si vous regardez le marché normal, on va aller voir une action normale, par exemple. Excusez-moi. Sur le marché normal, on va regarder, par exemple, RGSE. Les derniers jours. De la misère avec mes graphiques aujourd'hui. 30 minutes. OK. Le marché, par exemple, lui, c'est le Nasdaq. On voit qu'ici, ça a transigé. La section noire, c'est la section de la journée. Et regardez l'après-marché et l'avant-marché. Donc, vous doublez presque votre horaire de travail. Le pré-marché, lui, vous pouvez le transiger de 8h à 9h30, mais il commence à se transiger à 7h, à une section où ce que vous pouvez absolument rien faire, que vous regardez l'action crasher et mourir, vous pouvez faire aucune transaction. Donc, très désagréable. Et l'after hour est pareil. Si, par exemple, on regarde ici, vous n'étiez pas là, vous avez manqué le mouvement pendant que vous n'étiez même pas là, c'est extrêmement fâchant. Et en plus, ben, vous le savez, vous l'avez regardé l'action et vous l'avez suivi. Et là, vous vous dites, quand ça va arriver, je vais l'acheter. J'ai vu le premier spike ici qui est arrivé. Vous savez des choses, mais ça arrive dans un horaire où vous ne pouvez absolument rien faire des fois. Des fois, ça va être en pré-marché ou en après-marché. Donc, ça étire extrêmement beaucoup votre horaire de travail, ce qui change, je vous dirais, de 9h30 à 4h, ce qui donne 6h30 par jour. Ça, c'est les OTC et les Pink, les marchés financiers normaux. Eux commencent de 8h à 5h. Donc, à partir de là, on est déjà rendu à faire 9h par jour. Donc, entre travailler 6h30 par jour et travailler 9h par jour, je m'excuse. Mais j'aime mieux travailler 6h30 par jour. Et à la limite, si je veux mettre plus de temps, j'analyse mes choses pendant une heure après le marché pour savoir quoi faire le lendemain ou une heure le matin avant et des choses comme ça. Mais c'est la différence majeure
C'est la différence principale à tout le marché et à toute votre vie, puisque moi j'ai des enfants. C'est le fun de pouvoir aller chercher ma petite fille à la garderie à 4 heures quand j'ai fini et pouvoir jouer un petit peu avec. Mais si je serais sur le marché normal, je pourrais pas. Donc, c'est ce que je voulais vous exposer dans cette petite vidéo-là. Et j'espère que c'était assez clair. Évidemment, je suis peut-être un trader paresseux, mais la vie que je suis en train de vivre là, c'est la vie que je veux avoir. Je me laisse pas contrôler par le marché qui m'oblige à être là. Presque souvent, il y en a qui vont transiger sur d'autres marchés et tout ça. Là, ils sont rendus 24 heures sur 24 avec les devises et tout ça. C'est rendu un enfer total. Donc, moi, je fais mon petit 6 h 30 par jour. Je prends ça relax. Le matin, quand je me lève, je suis tranquille. Je m'occupe des enfants. Je vais porter ma petite fille à la garderie. Le petit garçon s'en va. Je le prépare. Le lunch et tout. C'est la belle vie. Évidemment, si vous êtes célibataire, vous pouvez peut-être aller sur le marché normal parce que vous avez du temps de plus et vous n'avez rien d'autre à faire. Mais moi, j'ai toujours d'autres choses à faire et ça me permet de vivre la vie que je veux, une belle vie sans aucun tracas. Donc, c'est ce que je voulais vous exposer dans cette vidéo, la différence des horaires de travail. Donc, j'espère que ça vous éclaire entre la différence entre les Pink Sheets OTC Market et les marchés financiers normaux, qui sont le Nasdaq, le New York Stock Exchange, des places comme ça. Donc, si vous aimez la vidéo et si vous avez compris de quoi qui va vous aider à prendre des décisions dans votre vie, vous pouvez liker la vidéo, vous abonner évidemment à ma chaîne, partager autant que vous voulez et faire un petit tour en bas ici. Des listes de lecture qu'il y a, puisque vous allez en apprendre beaucoup plus sur la bourse. Alors, je vous remercie de me suivre et on se reparle dans une prochaine vidéo.